Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé? Oui. D'après ce qu'on sait, Thierry a quitté l'entreprise vers 8 heures. Il va charrier des tonnes de boues d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'H2S, l'un des gaz les plus dangereux du monde. Et on est allé reconnaître le corps avec la gamine. Mon fils, il était tout noir. Ils ont dit que c'était une mort naturelle. Mais l'enquête continue, non? C'est aux autorités de décider si une enquête continue ou s'arrête, Madame Leroux. Bonjour, je suis journaliste et je fais des reportages sur la Bretagne. Je vous appelle au sujet des algues vertes. Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça? C'est ce que je voudrais savoir. Je suis désolée, mais ça va pas être possible. Ils font tout pour pas me parler. Dès que tu t'approches des algues vertes, ça pue dans tous les sens du terme. Je pense même que ça peut être dangereux. Vous abusez pas à foutre par terre notre belle région. Si je tombe mal... Mais tu tomberas toujours mal. Lâchez la mort ce que vous faites. Vous êtes comme qui dirait la femme à abattre. Vous savez, tout le monde a peur dans cette affaire. Faut comprendre qu'ici, chaque famille a quelqu'un qui travaille dans l'agro. Vous, la FNSEA, c'est vous qui choisissez les ministres de l'Agriculture? C'est pour ça que les agriculteurs nous élisent. Vous savez ce que c'est, la vraie violence? C'est le prix du lait. 30 centimes le litre, depuis 30 ans. Tes reportages, ils font trop de remous. Les écolos vont encore nous faire chier. Les autorités mentent et jouent avec la vie des gens. Faites attention à vous quand même. Nous sommes en guerre, Madame Leroux. C'est une vraie et grande guerre économique. Il faut que vous soyez vigilants un jour ou l'autre. Vous les aurez face à face, les yeux dans les yeux, les victimes de votre guerre.